Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma marque préférée de chaussettes, qui est la marque Goji Socks. Alors excusez-moi si parfois je bafouille un petit peu parce que c'est dur de dire chaussettes et Goji Socks sans avoir un petit cheveu sur la langue, donc je suis vraiment désolée si parfois ma langue dérape. Alors beaucoup de personnes connaissent Goji Socks tout simplement parce qu'ils ont un stand au Salon du Cheval de Paris. Et beaucoup de personnes vont acheter des chaussettes chez eux. Donc si vous faites partie de ces personnes-là, n'hésitez pas à donner votre avis sur les chaussettes en commentaire parce que tous les avis sont bons. Alors que Goji Socks est connu pour leur nombre de coloris et de motifs sur leurs chaussettes qui est juste incalculable. Ils ont énormément de coloris et de motifs sur les chaussettes d'équitation. Et vous avez également énormément de choix en ce qui concerne la matière de la chaussette que je vais vous présenter tout de suite après. Donc j'ai reçu leurs chaussettes il y a un petit moment déjà et j'ai pu vraiment les essayer. Après, pour vraiment tester la solidité de la chaussette, il m'aurait fallu 2 à 3 ans, mais malheureusement c'est pas possible de vous faire une vidéo dans 2 à 3 ans. Alors Goji Socks m'a envoyé 6 paires de chaussettes, dont une de chacune de leur gamme. J'ai eu 3 paires en coton peigné, une paire de mi-bas fin, une paire en coton molletonné et une paire en fibre de bambou. Pour les 3 paires en coton peigné, je les ai trouvées vraiment bien. Ce sont des chaussettes toutes fines et vraiment légères, donc pour le printemps et l'été, ça doit être vraiment très très bien. Ce sont des chaussettes très résistantes qui ne font pas du tout transpirer, fabriquées avec une belle matière, les couleurs sont très très belles et les coutures également, il n'y a aucun fil qui dépassait dans mes chaussettes, etc. Donc vraiment ce sont de très très bonnes chaussettes et pour le moment elles ne sont pas trouées ni cassées, donc moi je les trouve plutôt résistantes. Pour la paire de mi-bas fin, alors c'est vraiment la paire qui m'a le plus étonnée. Donc c'est une paire qui peut être vraiment très intéressante en été, car comme vous le voyez en vidéo, elles sont vraiment super fines. Un peu comme des collants en fait que vous mettez pour aller en soirée, sous votre robe, etc. Parfois vous mettez des collants, et ben c'est exactement pareil. Donc le bout au niveau du pied est renforcé quand même pour garder un minimum de confort. Les coutures comme les précédentes chaussettes sont très bien faites, elles sont très jolies et résistantes. Pour le moment je n'ai toujours pas cassé le haut de la chaussette qui est fait avec de la matière un peu en collant, donc c'est un très bon point. Et j'ai pensé que pour les personnes qui viennent de s'acheter des bottes neuves, des fois les bottes neuves au niveau du mollet elles serrent un petit peu parce que le temps qu'elles se fassent etc, bah des fois ça serre un peu et quand on met des chaussettes très épaisses ça serre encore plus. Donc si vous avez acheté des bottes neuves et que vous voulez qu'elles se fassent à votre mollet, le temps qu'elles se fassent à votre mollet, bah je vous conseille vraiment ces paires de mi-bas fin parce que la chaussette est tellement fine que bah, ce sera plus simple et plus confortable pour vous en attendant que votre botte se fasse à votre mollet. Après c'est une paire qui peut être très intéressante en été étant donné qu'elles sont vraiment ultra fines comme des collants. Elles, bien du coup, elles tiennent beaucoup moins chaud, donc en été ça doit être vraiment super. Pour la paire de coton molletonné, elle est vraiment géniale pour l'hiver étant donné qu'elle est renforcée au niveau du pied avec une matière qui tient chaud comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc vraiment parfaite en cas de froid. Pareil pour les autres, couture très belle, bonne matière et très jolie couleur. Pour la paire en fibre de bambou, c'est ma préférée. La matière est extrêmement douce et très agréable à porter. Ça change vraiment des autres que je vous ai présentées car la matière n'est pas du tout la même au toucher. Déjà que les autres chaussettes étaient douces, alors celle-là est vraiment tip top, très résistante, confortable, légère mais chaude à la fois. Bref, c'était ma chaussette préférée. En résumé, Goji Socks c'est vraiment une très bonne marque de chaussettes, la matière sont vraiment très agréables et résistantes, il y a vraiment pour tous les goûts, niveau couleur et motif, et ce sont vraiment des chaussettes de qualité. J'aimerais vous dire quelques points négatifs, mais pour le moment j'en ai toujours pas trouvé pour ces chaussettes là. Si vous avez trouvé des points négatifs sur ces chaussettes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation produit des chaussettes Goji Socks vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!